paix, aïe aïe aïe. Pour moi est tellement grand que je ne sais pas par où commencer. Donc, j'avais demandé ma nationalité et ils m'ont dit d'attendre un an. Et un an arrivé, ils m'ont rappelé, je suis partie, on me dit, vous prenez les dossiers et vous partez refaire encore les dossiers. Et j'ai dit, mais tous les papiers, j'ai tellement souffert pour avoir les papiers. Et aujourd'hui, s'il faut encore reprendre, j'ai dit à la dame, madame, prenez votre nationalité, c'est bon. Et je suis partie. Je ne sais même pas où j'ai mis les dossiers. Et 6 ans après, j'étais là, il y a quelque chose qui me dit, vas-y quand même, mais j'ai peur. Parce que j'ai tellement de crédits, j'ai dit, avec les crédits là, est-ce qu'ils vont me donner même? Et un jour, j'ai invité papa Yvon et papa Fernand à la maison. Dans la prière, je leur ai dit que ah, je vais demander ma nationalité, mais j'ai peur. Et puis, on a prié, ils sont venus. Et 2 fois dans cette salle, il m'a dit, maman Thérèse, le Seigneur me dit, il faut demander ta nationalité, tu vas l'avoir. Et je ne croyais pas. Quand il a dit la première fois, il a dit, d'accord, je suis allée. Je n'ai rien fait. Et à une veillée, le matin, très tôt, quand il priait pour nous, tous, on était alignés là, il a crié, maman Thérèse. J'ai dit, oui, papa, je suis venue. Il dit, vous avez fait les dossiers? J'ai dit, non. Il dit, le Seigneur me dit, de déposer les dossiers, vous allez la voir. Et c'est là que j'ai eu le courage maintenant et j'ai eu la foi. Je suis allée, j'ai déposé les dossiers. Mais on me dit test français. J'ai dit où je suis là, je ne comprends pas français. Je ne sais pas écrire, je vais faire comment? J'ai expliqué à mon employeur, elle a dit c'est pas grave, on va le faire. Je t'offre, je paye. Et si tu vois que tu n'as rien fait, la prochaine fois, c'est toi qui payes parce qu'on ne va pas abandonner. J'ai dit, bon, d'accord. Je suis allée passer le test. J'arrive. Le résultat arrive. J'ai dépassé les points. Elle me dit, mais comment ça se fait? Tu dis, tu ne comprends pas français, tu ne sais pas écrire, tu as dépassé les points. Il faut être sûr de ce que tu fais. Il ne faut pas avoir peur. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Elle dit, bon, on avance. On a fait le dossier, elle-même, elle a tiré, on a rempli, elle a mis le résultat dedans, tout. Elle m'a donné, je suis allée, j'ai fait la lettre recommandée. Le lendemain, j'ai pris l'avion, je suis partie à Abidjan. Je ne sais pas si la lettre est arrivée à bon point ou pas, je ne savais pas du tout. J'ai fait 5 semaines à Abidjan, je suis revenue, j'étais là, j'ai dit, peut-être, ils vont m'appeler pour me dire, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas grave. Papa Yvon a dit, donc j'ai pas peur. Et j'étais là, tout dernièrement, je reçois un courrier, le courrier est dans mon sac, je lis tous les courriers, mais je ne lis jamais ce courrier. Et avant-hier, je prenais un numéro de téléphone dans mon sac et je tombe sur le courrier. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai lu tous les courriers, ça vient d'où? Je prends, je regarde, je ouvre, c'est le courrier qui me dit que j'ai eu la nationalité. Depuis le 29 octobre, et ça a été enregistré depuis le 31 octobre. Donc, je suis venue rendre gloire à Dieu, parce que sans lui, je n'allais jamais pouvoir le faire. Et merci, Papa Yvon. Merci. Acclame très fort le Seigneur. Non, tu peux faire mieux que ça. Acclame très fort le Seigneur. Et ce qui m'a marqué dans son témoignage, elle a dit qu'elle avait pris la décision d'aller demander sa nationalité. Mais arrivé à un certain moment, elle ne croyait pas qu'elle allait la voir. Dit amen bien. Et la deuxième chose, elle prend la décision de recevoir les hommes de Dieu chez elle à la maison. Et quand les hommes de Dieu sont arrivés chez elle, ils ont commencé à prier. Le sujet, c'était pour la nationalité. Et la troisième fois, elle est arrivée à l'église. Et le prophète lui a dit, maman, c'est le temps de demander ta
nationalité. Dis Amen bien. Vous savez, avec Dieu, il y a un programme que Dieu se fixe. Il y a un programme que Dieu se donne. Si ce n'est pas le temps de Dieu, quel que soit ce que tu vas faire, ça va échouer. Dis Amen bien. Mais ce qui me plaît, c'est que Dieu a mis au devant de cette église un voyant, quelqu'un par lequel Dieu passe pour donner une orientation. Et quand il annonce la chose selon Dieu, cela arrive. Il lui a dit, maman, c'est le temps de demander ta nationalité. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, ne te précipite pas. Dis à ton voisin, ne te précipite pas. Et lorsque l'homme de Dieu lui donne l'oracle du Seigneur, le prophète Yvon, et elle va, elle dépose ses papiers, et Dieu permet qu'elle ait sa nationalité. Est-ce que ce n'est pas un miracle du Seigneur? Est-ce que ce n'est pas un miracle du Seigneur? Tiens-toi debout, donne une offrande d'acclamation à ce Dieu grand qui continue et qui ne cesse d'agir. Au nom de... Que Dieu nous bénisse. Nous allons tendre la main vers elle. Nous allons demander à Dieu de sécuriser sa vie et de la même manière qu'il a commencé, qu'il achève. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour la sœur Thérèse. Tu n'as cessé d'agir dans sa vie. Tu as dit et tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Je voudrais dire merci à Dieu. Ça ne fait pas longtemps que je viens prier ici. Donc, j'ai une sœur qui a pris un rendez-vous pour moi pour que je puisse voir Papa Yvon. Et ce jour-là, quand je venais, j'avais prévu quelque chose pour eux. Et je venais pour un sujet parce que financièrement, ça n'allait pas. J'ai un crédit, on me suit partout. Et ceux qui ont des enveloppes, ils ont pour leurs 20 euros, ils n'ont qu'à venir donner pour la salle. Et j'ai pris l'enveloppe, j'ai dit, Seigneur, toi-même, tu sais que je n'ai rien, mais je vais donner pour la salle. Et puis, je suis venue donner. C'était le jeudi surpassé. Et le crédit que je devais payer, Dieu m'a donné le double. Et j'ai payé mon crédit. J'ai payé d'autres crédits encore. Donc, je vais dire merci au Seigneur. Acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Ce qui m'a plu dans son témoin, c'est qu'elle est sincère. Elle dit, j'ai tellement pris crédit, bon, on me poursuit partout. Donc, son seul refuge, là, c'est ici. Elle est venue voir Papa Yvon. Dis Amen bien. Le problème, même si tu n'as pas rencontré le prophète, ta simple présence dans cet endroit, Dieu opère un miracle. Et ce jour-là, on avait distribué les enveloppes pour la salle. Vous savez, quand tu bâtis la maison de Dieu et que tu te soucies pour l'œuvre de Dieu, Dieu aussi se souvient de toi. Alléluia. Elle avait un crédit et c'était difficile. Mais ce qui a opéré son miracle, c'est que c'est l'enveloppe des 20 euros. Dis Amen bien. Non, dis Amen bien. Et Dieu, de par cette action, a opéré le miracle dans sa vie. Elle a eu le double de ce qu'elle devait et elle a pu rembourser. Elle devait 2000 euros et elle a eu 4000 euros. Acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Que Dieu nous bénisse. Nous allons étendre nos mains vers elle. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Sécurise sa vie, pourvoir ses besoins. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 27. Genèse, le chapitre 27, à partir du verset 1er. Il est écrit, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connaissais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. »
Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau de bons chevreaux. J'en ferai pour ton père aimer comme il aime. Et tu lui porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est venu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Non la bénédiction. Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. » Retombe sur moi. Écoute seulement ma voix. Et va me les prendre. Jacob alla les prendre. Et les apporta à sa mère. Qui prépara un mets comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Le plus beau qui se trouvait à la maison. Elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux. Et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit. Mon père. Et Isaac dit. Me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père. Je suis Ésaü. Ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils. Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils, Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha. Et le baisa. Et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit. En disant, Voici. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. Et le thème que je vais prêcher, My team is, je l'ai intitulé is, Revêtir where, le fils aîné. Dis revêtir. Where? Dis revêtir. Where yourself, le fils aîné. The elderly son. La Bible nous raconte une histoire. The Bible talks about a story. C'est l'histoire de deux frères. Two brothers. La Bible dit, the Bible says, qu'avant la naissance, before their birth, Dieu avait déjà annoncé, God announced, par le canal d'Isaac, through Isaac, que tu mettras au monde deux nations, you give birth deux, to jumeaux, to, deux jumeaux, to, twins, deux jumeaux, twins. Normalement deux jumeaux ça fait combien? Ça fait quatre. Twins. Mais il dit, tu mettras au monde deux nations. So you give birth. Donc jumeaux et nations, ça fait quatre. Quelqu'un me dit amen. Donc en réalité, in reality, Dieu ne s'était pas trompé. God didn't make a mistake. Il traçait la destinée. He made the destiny de Jacob, of Jacob et la destinée d'Ésaü. La Bible dit, the Bible says, Dieu annonce, God announced, Dieu annonce, God announced, la naissance, the birth, de deux jumeaux, of two twins, Jacob et Ésaü. And Ésaü. Et la Bible dit, and the Bible says, le plus petit supplantera, supplantera, overcome,
dominera ou dominer, s'imposera ou impose, aura de l'influence ou influence, aura de l'influence ou influence sur le plus grand. The elder one. Alors la prophétie and the prophecy qui a été annoncée which announced parvient à l'accomplissement. Come to pass. Rebecca enceinte and Rebecca was conçoit deux nations. Two nations. Elle met Esaü et elle met Jacob. Jacob mais dans la loi de la naissance, in the law of c'était le plus grand the elderly one qui devait sortir en premier. He had to come first. Mais il est sorti en réalité. But he came in mais la Bible dit que Jacob, Jacob dans les entrailles de sa mère, in the womb of his mother, a attrapé son talon. Hold the, il a saisi son talon. He hold his brother, et la Bible dit and the Bible says, que Esaü est né. Quand Esaü est né, when Esaü came, Jacob aussi a suivi. And Jacob also came. Mais suivez bien la Bible. Watch very well. La Bible nous révèle quelque chose de très important. So very important. La Bible dit, the Bible says, pendant que, as, pendant que, as, pendant que, as, pendant que, as, ils étaient en train, as they were, ils étaient en train, as they were, ils étaient en train as they were, de suivre living, la finalité the finality, de la vie de leur père. Of the final, c'est-à-dire que Isaac devait mourir. Isaac supposed to die. Il devenait vieux. He was old. Vous savez, dans le judaïsme, you know, in the Judaism, quand le père vieillit, when the father is il old, doit transmettre he has to give la bénédiction. The blessing. Il doit la léguer. You have to give il the doit blessing. Donner. You have to give afin que la bénédiction so that the blessing se perpétue. Can be perpetual. Écoutez-moi bien. Listen to me. Dans toute famille, in every family, en Israël, in Israel, la bénédiction paternelle, the partner bénédiction, elle est générationnelle. It's generational. Elle est générationnelle. It's generational. Parce que le père because the father a le pouvoir has the power de bénir les fils. To bless the children. Voilà pourquoi that's why la bénédiction the blessing elle s'applique is applied avec une alliance with a covenant de vassalité. Of vassality. De vassalité. Of vassality. L'alliance de vassalité, the covenant of vassalité c'est l'alliance selon laquelle the covenant le plus fort bénit le plus faible. Bless the, la Bible dit en Hébreux 7:7 oh, c'est sans contredit. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Mais quand vous allez en Josué 15, la Bible nous révèle l'histoire de quelqu'un. Il s'appelle Caleb. Caleb avait une fille qui s'appelle Aksa. Aksa était la femme d'Othniel. Mais lisez bien la Bible. Lorsque Aksa a reçu sa portion de terre, elle avait sa portion de terre dans le sud de Canaan. Mais elle a dit à son père, mon père, my father, fais-moi un cadeau. Give me a gift. Donne-moi quelque chose. Give me a gift. Je veux recevoir une bénédiction. I want to receive a blessing. La Bible dit, the Bible says, elle avait certainement une terre, mais elle n'avait place. Pas de l'eau pour arroser. But you not have son water. Père lui dit, the father said, je ne te donnerai pas, je ne te donnerai pas I will not give you les eaux inférieures. Mais au-delà de cela, je te donne les eaux supérieures. Parce qu'on ne peut pas avoir une terre sans l'arroser. Sans l'arroser. Le Père est la terre. Le Fils, c'est celui qui arrose la terre. Le Fils honore le Père par ses eaux inférieures et ses eaux supérieures. C'est en cela que la bénédiction devait sortir de la bouche d'Isaac. La Bible dit Isaac appelle Esaü. Il dit à Esaü, je veux bénir la maison. Je veux léguer la bénédiction. Je veux transmettre mes droits. Je vais transmettre la grâce. Mais est-ce que tu es prêt? Le fils dit, je suis disposé. Il dit, prends ton kakwa. Prends tes flèches. Et va dans les champs. Et prends-moi un gibier. Et je te bénirai par la suite. Vous savez en Israël, on ne bénit pas sans la mort des gibier. Tant que le sang ne coule pas, il n'y a pas de bénédiction. Tant que le sang ne verse pas, il n'y a pas de bénédiction. Alors Esaü, dans son zèle, il va prendre son kakwa, il va prendre ses flèches, il va prendre son arc, il va courir pour aller dans les champs. Mais il a oublié une chose. La mère était là. La mère était là. Elle a entendu la conversation la plus secrète. Elle a entendu le message de Isaac concernant la bénédiction d'Esaü. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Plus qu'elle aime Isaac, plus qu'elle aime du moins Jacob, elle va préparer sur place un mets. Elle va préparer sur place un gibier et va permettre à Jacob de supplanter son frère. Qui me suis fait comme ça?
If you hear me, je suis en train d'épiloguer pour que tu comprennes. I'm just explaining. Quelqu'un me dit amen. Say amen. Hallelujah. Amen. Est-ce qu'on est là? Dis amen, je suis là. Dis amen, je suis là. Say amen, I'm here. Dis amen, je suis là. Say amen, I'm here. Dis amen, je suis là. Say amen, I'm here. Alléluia. Amen. La Bible déclare. The Bible declare. La bénédiction. The blessing. Va être transmise. It will be communicated. Mais elle n'a pas été donnée. By the way, not giving. Dans le hasard. Il fallait un processus. There was a process. Il fallait des accords. There was a covenant. La première chose. The first thing. Que Esaü avait. Esaü had. Il avait un kakwa. Dis amen. Say amen. Écoutez-moi bien. Listen to me. Le kakwa. The ark. C'est la réserve. It's the reserve. Des flèches. Or the c'est arrow. Là qu'on met les flèches. It's there they put the ark. Il avait un kakwa. We have et il avait un arc. And we have l'accès à viser. The ark. Le kakwa c'est à réserver. It's to keep. Écoutez. Quand Dieu doit bénir un homme, il y a deux choses qu'il utilise. Il utilise la réserve et la vision. Un homme ne peut pas obtenir une certaine élévation s'il n'a pas de réserve, s'il n'a pas de kakwa. Je te mets dans le kakwa. Le kakwa est une réserve. C'est un endroit où on ne voit pas. Le kakwa, c'est l'espace où les flèches se sont épanouies. Il n'y a pas d'élévation sans le kakwa. Il n'y a pas de grandeur sans le kakwa. Alors il lui dit, prends tes flèches. Lorsqu'il a pris les flèches, la Bible déclare qu'il a couru. Il n'avait pas la révélation. Il avait le kakwa. Il avait les flèches, mais il n'avait pas la révélation. Il a couru. Mais il y avait une dame, Rebecca, elle avait la révélation. Elle avait l'information. La bénédiction devait se faire dans l'immédiat. Il fallait rentrer dans la promptitude. Il fallait être pressé. Il fallait faire vite. Oui. Pour que la bénédiction du Père soit léguée au plus petit. Elle va dire à son fils, Jacob, ton père va mourir. Your father will pass il veut bénir quelqu'un. You want to bless somebody. Mais s'il te plaît, please. Je vais faire quelque chose. I'll do something. Tu vas porter les vêtements de ton wear frère. The cloth of your brother. Dis porter les vêtements de son say, frère. Wear the cloth of your brother. Dis amen. Amen. Tu vas porter les vêtements de ton frère. You wear the cloth of your lorsque brother. Tu les porteras, when you wear it, après cela, after that, je libérerai la bénédiction. I'll give a blessing. La Bible dit, the Bible says, lorsqu'il a fini de faire la cérémonie, when he finished the ceremony, Rebecca a fait la cérémonie. Rebecca a elle a préparé Jacob pour la bénédiction. For the blessing. Mais la Bible révèle, the Bible reveals, Esaü est allé en chasse. Esaü went, il est allé tuer un animal. He went to hunt. Mais quand il est revenu, when he came back, la bénédiction the blessing avait commencé à changer de place. Normalement, c'est lui qui avait l'information. Mais il n'avait pas la promptitude. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose. À l'église, tu peux avoir l'information. Mais si tu n'es pas prompt, tu peux passer au-delà de ta bénédiction. Tu peux la perdre. L'information ne donne pas la bénédiction. C'est la promptitude. Jésus a dit, je ressusciterai dans 3 jours. Mais regardez les femmes. Elles sont arrivées au 4e jour. Jésus n'était plus là. Écoutez, l'information ouvre les yeux sur la réalité. Mais la promptitude te donne la possession. Un homme qui est prompt, qui ne réfléchit pas à un ordre. Parce que vous savez une chose, dans l'armée, on nous dit, réfléchir à un ordre est une désobéissance. Lorsque tu reçois une information, le fait même de réfléchir, tu as désobéi. Or, quand Dieu veut bénir un homme, il te donne 2 choses, l'information et la promptitude. Et la promptitude, parce que tu n'es pas béni, parce que tu n'es pas prompt, tu n'es pas spontané. Tu ne te lèves pas. You don't stand. Tu as l'information que tu te marieras. You get mais tu n'as pas la promptitude. Tu as l'information que tu prospéreras. Prosper. Mais tu n'as pas la promptitude. Tu as l'information que tu rentreras dans ta destinée. Mais tu n'as pas la promptitude. Voilà pourquoi ta vie est pareille. Le jour où tu te lèveras après une information, ta vie changera. Ta vie changera. Ta vie changera. Dis amen que je parle. Amen. L'information n'est rien sans la promptitude. Without a quickness. Qui est prompt? Who is so quick? Qui veut être prompt à agir? Who want to be quick to act?
On dit tue ton gibier, tu réfléchis trop sur ton offrande. Il y a des gens à l'église, on dit tue ton gibier, il va réfléchir. Thinking. Rien m'ont découvert. People have seen me. J'ai trop de problèmes. I have too much problem. Moi, c'est plus découvert, c'est fossé. Me, I have, oh. Pour toi, c'est devenu un fossé. Parce que tu n'es pas prêt. You are not ready. On n'a pas de possession. You don't have possession. Lorsqu'il n'y a pas de promptitude. Where there's no quickness. Écoutez-moi bien. Listen to me. Il y a une occasion que David ne voulait pas rater. David didn't miss. Il ne voulait pas rater Goliath. He didn't want to miss. Je vous dis une chose. I want to tell you. Pourquoi Saül, where Saul, était celui-là, he was there, qui a reçu la royauté. The kingship. La Bible dit, the Bible says, il dépassait Israël, he went to Israel, d'une tête. Dit d'une tête. He was taller than ceux qui réussissent dans la vie, those who succeed, c'est ceux-là qui ont une tête de plus. They have a head more. Ceux qui sont riches dans la vie, those who are rich in ils ont une tête de plus. They have more. Tu dois dépasser tes frères d'une tête. Ce à quoi ils ne pensent pas, tu dois commencer à penser. Le projet qu'il n'a pas, tu dois commencer à l'avoir. Les endroits qu'il n'a jamais fréquentés, tu dois commencer à les fréquenter. Dépasse ton environnement d'une tête. Go an extra mile. Je parle à ceux qui veulent réussir aujourd'hui. I'm talking to those who want to succeed. Dis je veux réussir. Say I want to succeed. Dis je veux réussir. Say I want to succeed. Hallelujah. Amen. La Bible dit. The Bible says. Lorsque le mets when a été fait, where the food were made, la Bible déclare. The Bible says. Isaac regarde Jacob. Isaac look at Jacob. Il dit mais pourquoi c'est vite venu? It's so quick. Il dit seulement que Dieu a tout disposé. Is God available? Or dans le secret, ils ont fait un micmac entre lui et sa mère pour avoir la prééminence. To have a mais écoutez-moi bien. Listen to me. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? La Bible dit, the Bible says, lorsque le mets est arrivé, when the meat came, lorsque le mets est venu, when the food came, la Bible dit, the Bible says, Isaac, Isaac, avant de le bénir, before blessing him, il embrassa. A kiss. Écoutez-moi bien. Listen. Beaucoup veulent la bénédiction many people want to be blessed sans avoir le baiser du Père. Without the kissing of the father. Dans le processus de la bénédiction, the process of the tu dois d'abord avoir le baiser du Père. You have to receive le kiss Père the doit t'agréer. The father le to Père receive. Doit t'embrasser. The father embrasser veut dire transmettre ses paroles. Give tu dois avoir la bouche rapprochée you de Dieu. Tes mots doivent être les mots de Dieu. Tes pensées doivent être les pensées de Dieu. On n'a pas de bénédiction sans que le Père ne nous ait embrassé. Est-ce que Dieu a mis ses paroles dans ta bouche? Tous ceux qui ont réussi, c'est ceux à qui Dieu a embrassé, ceux que Dieu a approuvé, ceux que Dieu a accepté. La Bible déclare, Dieu accepta Abel et son offrande. Il rejeta Caïn et son offrande. Quand Dieu te rejette, il te rejette toi et ton offrande. Quand il t'accepte toi et ton offrande. Voilà pourquoi Isaac a embrassé Jacob. Est-ce que Dieu t'a embrassé? Did God kiss you? On vient à l'église. You come to church. Je veux prospérer. I want to prosper. On vient à l'église. You come to church. Je veux évoluer. I want to evolve. Mais est-ce que tu as le baiser du Père? Did you receive a kissing of a father? Le baiser du Père the kissing of a implique father. Son langage. It is a language. Tu ne peux pas parler de mort pendant que Dieu parle de vie. Tu ne peux pas parler de célibat pendant que Dieu parle de mariage. Le baiser du Père doit emmener ton langage à adopter le langage de Dieu. Pourquoi plusieurs échouent dans la vie? Pourquoi plusieurs n'avancent pas? Pourquoi ta vie recule? C'est tout simplement parce que tu n'as pas le langage du Père. Tu ne parles pas comme le Père veut. Tu n'as pas son baiser. La Bible dit Isaac embrassa avant la bénédiction. Il y a eu l'embrassement. Il y a eu le baiser. Il a approuvé. Il a affectionné. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, quand la colombe est descendue, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon baiser, mon affection. Dis amen. Qui m'écoute ce matin? Who is listening to me? Dis je t'écoute. Say I'm listening to you. Dis je t'écoute. Say I'm listening to you. Hallelujah. Amen. Dis le baiser du Père. The kissing of the Father. Est-ce qu'on est prêt ce matin? Are you ready?
Est-ce qu'on est prêt ce matin à recevoir le baiser du Père? Lorsque le Père a embrassé Isaac, la Bible déclare que la bénédiction devait maintenant commencer. Il n'y a pas de bénédiction sans le baiser. Et après le baiser, la Bible dit, il sentit son fils. La Bible dit qu'il avait les odeurs du fils aîné. Oh, Jésus est le fils aîné. Il y a deux choses qui caractérisent la bénédiction. Tu dois avoir son affection et avoir l'odeur du fils. Parce que, écoutez-moi bien, Jacob avait des poils. Oh, la Bible dit que Jésus est l'agneau. Il n'y a pas d'agneau sans poils. There is no lamb without the hair. Jacob avait des poils. Jacob was oh, il n'y a hair. Pas d'agneau there is no lamb sans poils. Without hair. À moins que ça soit silu. Unless maybe he's a tous les agneaux all the lamb ont des poils. They have hair. Il a touché. He il a su que c'était la parole de Jacob. Not that were mais les œuvres, words, les miracles, miracle, les guérisons sont les choses de Christ. Tout ce que tu feras sont les œuvres de Christ. Il a touché ses mains. Il avait les poils. Mais la voix appartenait à Jacob. Je ne soustrais jamais God de ta vie ta faiblesse. Il y a des choses que Dieu n'enlève pas. Tu peux avoir l'onction, parler en langue, nager en langue, mais ta voix restera ta voix. Voilà pourquoi Moïse n'a pas réussi parce qu'il a frappé le rocher trois fois. Il avait toujours sa voix. Il avait sa faiblesse. Il avait cette colère. Mais ses mains avec les poils de Christ, avec les œufs de l'agneau. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose. Tous les miracles qui s'opèrent, ce n'est pas parce que l'homme de Dieu est pur. Ce n'est pas parce qu'il est le plus saint de la terre. C'est parce que Dieu l'a revêtu du fils aîné. Lorsque tu as le fils aîné, tous les miracles s'opèrent. Quand tu as le fils aîné, ta vie peut changer. Quand tu as le fils aîné, oh, 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 on ne peut pas réussir une vie sans l'odeur du fils aîné. La Bible déclare, Isaac le sentit. Isaac il dit ça, ce n'est pas l'odeur de Jacob. It's not the odor of Jacob. Il y a des choses que tu fais you qui do ne sont pas de toi. It's not from you. Tu penses que c'est par ta force you que tu les réalises. C'est l'odeur de Christ. Quand tu as l'odeur de Christ, partout où tu rentres, tu ne réjouis pas. Quand tu as l'odeur de Christ, ta vie n'est plus minable. Quand tu as l'odeur de Christ, personne ne peut te mettre à terre. Quand tu as l'odeur de Christ, tu perces où les autres ont échoué. Quand tu as l'odeur de Christ, la prospérité t'est donnée. Quand tu as l'odeur de Christ, personne ne peut te vaincre. Mille tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants à cause de l'odeur. Un homme que les gens combattent, c'est parce qu'il a une odeur que les autres n'ont pas. Ce qui est rare, what is rare est combattu. Fighting. Le jour que Jésus marchait sur la terre, when Jesus was on dit le Nazaréen. The Nazaréen. Mais quand il a marché sur l'eau, on dit fantôme. Ton odeur changera par rapport aux actions que tu feras. Ton odeur changera par rapport aux choses que tu feras. Ton odeur changera par rapport à la prospérité que tu auras. Mais écoutez-moi bien. Listen to me. Il y a des femmes qui passent. Sometimes, on sent l'odeur du célibat. Mais man, ce matin, j'annonce l'odeur du mariage. J'annonce l'odeur du mariage. J'annonce l'odeur du mariage. Au nom de Jésus. Dis mon odeur. C'est my odor. On ne réussit pas. You don't succeed. Sans odeur. Without odor. La prospérité a une odeur. The prosperity has an odor. Est-ce que vous savez que la prospérité a une odeur? Do you know that prosperity has odor? La richesse a une odeur. Riches has odor. Celui qui est grand sans son odeur. The one who is
great enough. Voilà pourquoi la femme qui avait le parfum d'Albâtre, quand elle a brisé le parfum, la Bible dit l'odeur remplit toute la pièce. Écoute-moi bien, celui qui rencontre Christ, automatiquement son odeur remplit toute la pièce. Partout où tu passes, on sent ton odeur. Partout où tu rentres, tu as une odeur. L'odeur du de la réussite, l'odeur de la grandeur, l'odeur de la prospérité, l'odeur de l'enfantement, l'odeur du mariage. En tout endroit où tes pieds foulent, il y a une odeur. Dieu ne permettra jamais que ta vie soit une vie d'échec. Quand Dieu appelle un homme, c'est qu'il a déjà préparé l'odeur de sa génération. Chaque génération a une odeur. Salomon avait l'odeur de la prospérité. Samson avait l'odeur de la force. Abraham avait l'odeur de la foi. Chaque génération laisse une odeur. Est-ce qu'on peut aller? Can we go? La voix. The voice. La voix. The voice. Elle appartient à Jacob. Belong to Jacob. Tu pries. You pray. Tu luttes. You fight. Seigneur, enlève-moi cette faiblesse. God, take me this. Oh, je suis faible. I'm so weak. Dieu a besoin de ça. God need it. Il dit cette maladie. This n'est point pour la mort. It's not for death. Elle est pour que le Fils de l'homme soit glorifié. It's for the son of. Mais quand vous lisez bien la Bible, when you read it well, est-ce que Lazare n'est pas mort? Lazarus were not dead. En réalité, in reality, cette maladie était pour la mort. That sickness were for death. Dis cette maladie, that sickness, elle était pour la mort. It was for death. Mais la différence, the difference, c'est que quand tu meurs, when you die, ça dépend de quelle odeur tu te croises. La femme veuve, elle a pris son fils unique. Elle transportait l'odeur de la mort. Mais quand l'odeur de la vie est rentrée par la porte de Naïn, le mort s'est assis. Il dit, je n'ai jamais senti ça. Écoutez-moi bien, je vous dis une chose. Écoutez-moi bien. Lorsque les porteurs de cadavres pleuraient, le mort ne s'était jamais réveillé. Les pleurs ne réveillent pas les morts. Les pleurs ne réveillent pas le mort. Ta situation, lorsque tu pleures, elle ne changera pas. Pleurer, c'est un sentiment émotionnel. Mais écoutez-moi bien, c'est celui que tu rencontres qui détermine ta mort ou ta vie. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, la Bible déclare le mort s'assis. On ne réussit pas sa vie. You cannot succeed in your sans life. Sans un type de rencontre. Without a meeting somebody. C'est celui qui rencontre, que tu rencontres, is the one you meet, qui détermine, determine ta possession, your possession, ou ton échec. Or your failure. Il dit, moi, il y a des gens que j'ai rencontrés. There are some people I met. Beaucoup de choses n'ont pas changé. Nothing changed. Mais j'ai rencontré une seule personne. I met one man. Ça n'a pas encore changé. It has not yet changed. Mais c'est en train de changer. But it's coming. Je vous dis une chose. I'll tell you one. La vie que tu mènes, the life you are tu peux prier en langue, you can pray in tongues, nager en langue, swimming in tongues, te laver en langue. Washing mais la in rencontre, the meet, c'est celle-là qui détermine la destinée. It determine your destiny. Le jour où Ève a rencontré le serpent, tout a été chamboulé. Snake, everything was changed. Dis mon odeur. C'est my odor. Ah, je ne sens pas des odeurs ce matin. I don't feel some odor. Est-ce que je peux sentir une odeur ce matin? Can I feel some odor? Yeah. Je vous dis une chose, écoutez. I want to tell you something. Pour la première fois dans la Bible, for the first time in the Bible, Dieu descend du ciel. God came from heaven, et puis il demande à un homme. He asked to a man, que veux-tu que je fasse? What do you want me to do? C'était for Salomon. You? It was Solomon. Parce qu'il y a une odeur, so there was an odor que Dieu n'avait jamais sentie. God had never smelled. La Bible dit qu'il a tué 3000 brebis, 2000 bœufs, 5000. Il a tué tout un troupeau. Sacrifice all. Et il a fait un holocauste géant. And he make a, il a mis le feu. And he make a fire. Quand l'odeur, la Bible dit l'odeur. When the odor, l'odeur. The odor.
est monté jusqu'au Père. He went to the Father. Le Père a reniflé l'odeur. The Father smelled. Il demande à Michael. He asked to Michael. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Michael dit, je ne sais pas. Michael said, I don't demande know. À Gabriel. Ask to Gabriel. C'est lui que tu envoies tout le temps. Gabriel dit, je ne sais pas encore. Said, I don't mais know. Je reviens avec l'information. But I'm coming from Gabriel the descend sur la terre. Gabriel, il dit, il y a quelqu'un. Said, c'est le fils de ton fils que son. Tu as beaucoup aimé. The one you love David. So David. Salomon est en train de faire petit sur la terre. La Bible dit, cette même soirée, Dieu est descendu. God came. Il dit, Salomon, il y a quoi? What happened? Qu'est-ce que tu fais que je te donne? What do you want me to demande-moi. Give you? Ask me. Parce que j'ai eu une odeur qui est montée dans le ciel. Écoutez, ta vie est une odeur. Your life is an odor. Est-ce que vous savez you know that que ta vie your life est une odeur? Is an odor. Voilà pourquoi that's why la Bible dit, the Bible says, dans le livre des Cantiques des Cantiques, in the book of Cantiques of Cantiques, mon bien-aimé my beloved est beau is so awesome, et son parfum his perfume est suave. So smell. Parce que, écoutez, listen, la destinée the destiny, pas de l'odeur. Oh, l'odeur, c'est l'énergie. L'odeur, c'est l'aura. L'odeur, c'est ce que tu dégages. Il y a des gens qui ne réussissent pas parce qu'ils n'ont aucune odeur. Partout où tu passes, on te rejette. On ne t'accepte pas. Écoutez, le jour où tu vas revêtir les vêtements du fils aîné, dis les vêtements du fils aîné. Dis vêtements. C'est cloth. Du fils aîné. Or the elderly son. Dis le fils aîné. The elderly son. Quand tu as le fils aîné. When you have the elderly son. Tu as son odeur. You have his odor. Oh, le fils aîné. You have the elderly son. N'a jamais échoué. He never fail. Le fils aîné the elderly son n'est jamais tombé. He never fall down. Le fils aîné. The elderly son. Écoutez-moi bien. Listen to me. Pour le fils aîné, for the elderly son, Dieu était capable de faire quelque chose. God was able to do something. Adam est tombé dans le désert, dans le jardin. Adam fall down. Quand Adam est tombé dans le jardin, where Adam fall down, le fils aîné the elderly son est tombé à la croix. Fall on the cross. Le premier Adam. Adam est tombé dans le jardin. Fall on the cross. Le fils aîné est tombé à la croix. Il est mort à la croix. He died on the cross. Quand le fils aîné est tombé à la croix, when the elder son le père the cross, the est tombé dans le tombeau. And fall la Bible dit que le père l'a ressuscité d'entre les morts. And the donc the si father, Adam tombe, if Adam tombe, le fils tombe, and the son le fall père down, tombe. And the pour Adam le fils aîné, Dieu est prêt à investir ses forces. Celui qui révèle Christ, tu ne peux pas échouer tant que le ciel est ciel et tant que la terre est terre. Parce que Dieu est capable de quitter son ciel parce que tu as revêti son fils. Une vie chrétienne sans le revêtement du fils aîné est une vie d'échec. Tu vas prier avec ton intelligence. You pray with your wisdom. Tu vas parler en langue avec tes forces. You speak in tongue with your mais strength. Tu n'as pas le fils aîné. But if you don't have the elderly son in you, la bénédiction a trois phases. The blessing has three. La Bible dit. The Bible says. Il a reconnu d'abord la voix. He acknowledged the voice. Il a senti l'odeur. He felt the odor. Et la troisième chose. And the third. Il a touché sa peau. And touched his skin. Elle est tactile. And so touched his skin. La bénédiction est tactile. So ça dépend de qui tu te touches. Avec qui tu te frottes. La bénédiction with. Est contagieuse. So elle est comme la tuberculose. Like tuberculose. Celui avec qui tu marches, c'est with. Celui-là qui t'influence. Si you. Tu marches avec un pauvre, matin, poor, midi, soir, then, tu vas recevoir l'influence du pauvre. Parce qu'il va poor. Dire, say, il te dira toujours, j'ai say, un découvert, j'ai un problème d'argent, je n'ai pas payé ma maison, ma facture n'est pas payée. Parce que la bénédiction, elle est contagieuse. La contagion de la bénédiction sort de la parole que tu entends. Or, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend sort de la parole de Dieu. Parce que ce que tu entends détermine ce que tu deviens. Mais un homme joue de nuit.
avec qui tu te frottes, tu le prends comme ton ami, tu marches avec lui, qui voit le malheur, qui ne voit jamais la grandeur, il te contamine, tu auras la varicelle, de la pauvreté, la varicelle de la misère, la varicelle de la galère, parce que lui-même, il n'a pas la sémence. On reçoit ce qu'on a. What you have. Qui me dit amen? La Bible dit, il le toucha. He touched him. Qui te touche? Who touched you? La femme, the woman, qui avait la perte de sang, who have bleeding, depuis combien d'années? Since 12 years. 12 ans. Elle a touché les médecins. Medical doctor. Elle a touché les neurologues. She touched all those medical Elle doctors. A touché les gynécologues. Elle a tout touché. Sa vie n'a pas changé. Mais le jour, elle a touché Christ. Écoutez-moi bien. Le toucher a de l'importance. Voilà pourquoi Ève, lorsqu'elle a vu le fruit, elle a vu que c'était agréable. Bon à toucher et doux dans la bouche. La Bible déclare qu'elle est allée le prendre. Toutes les grandes destinées accomplies dans la vie d'un homme. Pas du toucher. Ce que tu touches. What you touch. Qui tu touches. Who do you touch. Qui est ton ami. Who is your friend. Qui tu prends par la main. Who do you avec qui tu dors au lit. Who are, c'est lui-là qui détermine ta destinée. The one who determine your destiny. Dû le toucher. C'est le touching. La misère. The misery. Elle est contagieuse. So contagious. C'est la tuberculose de cette génération. It's the tuberculosis of this generation. Lorsque Jacob, when Jacob a été reniflé, lorsqu'ils l'ont touché, when they touch him, ils l'ont béni. They bless him. Est-ce qu'on est prêt? Are you ready? Qui est prêt à être béni ce matin? Who is ready to be blessed? Qui est prêt à être béni ce matin? Who is ready? Dis à ton frère, je suis prêt à être béni ce matin. To your brother, I'm bread, dis, I'm je suis prêt à être béni ce matin. I'm ready to be blessed. Qui t'a touché? Who touched you? Jésus se retourne. Jesus, wait, okay. Il dit qui m'a touché. He said, who touched me? Écoutez-moi bien. Listen to me. Oh, Jésus avait plusieurs personnes autour de lui. Many people around. Il y avait du monde. Many people. Ils étaient beaucoup. There are so many. Mais il demande qui? And he asks, who écoutez, je vous dis une chose. I want to tell on you. Peut être plusieurs à l'église. Many in the church. Mais Dieu cherche celui qui peut le toucher. But God is looking for the one who touched him. Qui m'a touché? Who touched me? Parce que la bénédiction, the blessing, elle sort par la voix. Come from my, par l'odeur from odor, et par la forme, par la voix tactile. And the touching, le toucher. Touch. La bénédiction. The blessing. Elle sort aussi du regard. It come from what la femme, la reine de Séba. Quand elle est arrivée, elle a vu les vêtements des serviteurs de Salomon. Elle a vu ses fourchettes en or, la table, la structure. Elle a dit non. J'ai entendu parler de ta richesse. I heard about your riches. Mais maintenant là, ce que j'ai entendu n'a rien à voir avec ce que je vois. Il y a des gens qui ont entendu parler de toi, mais ce qu'ils ont entendu n'a rien à voir avec ce qu'ils verront. Parce que ce qu'ils verront va dépasser leur entendement. Ce qu'ils verront va surpasser leur pensée. Tu peux entendre. You can hear. Mais qu'est-ce que tu vois? But what are you seeing? Non, écoutez-moi bien. Listen to me. Je suis fatigué so de cette foi qui se fait entendre, you hear. Mais qui ne se fait pas voir. And you don't see. Et à l'église, c'est ça. It's like that in the church. Non, j'aurai une voiture, j'aurai telle chose. I have a car, I have this. Moi-même, j'ai fini une voiture. Me, myself, I finish with car. J'ai aucune voiture. I have nothing with. Oh, dans ma tête, je connais toutes les marques. Me, in my head, I know everything. Mes bacs. Je connais tout. I know everything. Mais je n'ai aucune voiture. I have no car. Même R4. Even, yeah. Même vélo. Even bicycle. Parce que la connaissance because the knowledge, a
elle n'a rien à voir avec la possession. Ce que tu connais, c'est une réserve. C'est une réserve. Mais la vie dehors détermine ta possession. La réserve que tu as, tu vas la posséder dehors. Il dit, prends ton kakwa, ta réserve, prends tes flèches, va dans les champs. C'est dans les champs, il y a le gibier. C'est pas dans la maison. Va dans les champs. Go to the farm. There is a animal. Le chrétien a la vie de prière. Il a les âmes spirituelles. Il a le parler en langue. Mais il ne va jamais dans les champs. Tu es couché à la maison. Je vais travailler. Ça vient. CDI dans ton courrier. Courrier dans ta boîte aux lettres. Tu vas travailler. Par miracle. Through miracle. On ne peut pas avoir un kakwa, avoir des flèches arrow, et ne pas aller dans les champs. And go to the farm. Dans les champs, in the farm, on va pour deux choses. You go for 15. Récolter ce qu'on a sémé. Harvest what you have sown, ou bien chasser le gibier. You are ant or ant. Si ce que tu as sémé n'est pas encore sorti, if what you have, chasse le gibier. Ant. J'ai sémé à l'église. J'attends mon mariage. Tu n'as pas encore vu le mariage. Chasse le gibier. Va ailleurs. Chasse le gibier. Va dans les champs. Chasse le gibier. N'attends pas ce que les choses sortent de la terre. Parce que ce n'est pas tout qui sort par prophétie. Il y a des choses qui ne sortent pas dans la terre par prophétie. La Bible dit, Dieu appela les choses à l'existence. Mais les abus des champs ne sont pas sortis. Dieu a créé tout. Il dit que les herbes sortent. Mais gazon est sorti. Herbe est sorti. All those herbs, mais les abus. Those trees, ils ont dit non. They didn't come. Pourquoi ils ont dit non? Where they said no. Dieu a parlé. God spoke, mais ils ne sont pas sortis. They didn't come. L'homme de Dieu peut parler. The man of God et puis il y a des choses qui ne sortiront pas. Parce que cela répond à deux choses. La Bible dit qu'il n'y avait pas l'homme pour cultiver. There man, no man to cultivate. Il n'y a pas l'homme pour cultiver. No man to cultivate. Et puis tu veux que ça sorte. And you want it to tu ne connais rien encore dans la vie. You don't know Seigneur, donne-moi un mari. Mais est-ce que tu peux le cultiver? Can you cultivate? Est-ce que tu peux l'entretenir? Can you take est-ce que tu peux préparer? Can est-ce que tu peux occuper des... Ah non, 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 non. Ça ne sortira pas. Do not come. Bon, je vais prospérer. I want to prosper. Mais tu n'as aucun projet. But you have no project. On te donne 500 000 euros là. They give you money, tu vas aller dans les boîtes de nuit. You go to nightclub. Apporter costume. Chaussy Weston, well, Belluti, porter les marques, te well, promener. Parce que tu n'as pas l'objectif. You don't have focus. Tu n'as pas la réserve. You don't have a reserve. Les abus ont dit, nous on ne sort pas. Three, tu es Dieu, on te respecte. You are God, we respect mais nous you. On ne sort pas. But we don't come. Tant que tu ne crées pas l'homme, as long you don't nous create on ne sort pas. Ce n'est pas tout qui sort par prophétie. Not everything comes through prophecy. Dieu peut parler. God can speak. Il peut annoncer des choses. Annonce ma fille se mariera. Elle aura des activités. You have activity. Et puis ça ne vient pas. It will not come. Dieu attend une chose. God is waiting for something. Est-ce que tu peux l'entretenir? Can you take care of it? Est-ce qu'elle est propre? Is she clean? Tu veux mari. You want husband. Mais tu fais taekwondo. Kung fu. You are doing futuku. Tu es folle tout coup. Mais ça ne sortira pas. Tu peux avoir l'agent de commerce. You can have mais Marie ne va pas sortir. Hein. But husband will not come. Tu peux avoir Marie you can have et puis husband. L'agent de commerce ne sort pas. The money will not parce come. Que tu attends quelque chose. God is waiting for est-ce que l'homme peut l'entretenir? Dieu ne donne pas ce qu'on n'entretient pas. God quand il te donne une chose, ça veut dire qu'il a vu tes potentiels. Il a vu tes capacités. Il a vu ton aptitude à pouvoir entretenir ce qu'il t'a donné. What he has given you. Seigneur, donne-moi, 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 Lord, donne-moi. Give me, give me, give me. Mais j'ai lu dans ma Bible. I read in my Bible. La Bible dit demandez. Ask. Il vous sera donné. And you shall be given. Mais pourquoi vous demandez? Why are you asking? Et puis Dieu vous demande, vous ne vous donne pas. And God is not giving. Votre réponse your answer, est écrite en Jacques. It is written in Jacques. Il dit parce que vous demandez mal. Because you ask dans wrong le but in the de satisfaire vos passions. To satisfy your il y a des passion. Gens qui veulent mari pour marcher avec lui comme ça. To walk with him j'ai like mon that. Mari. Ça ne sert à rien. Tu veux satisfaire ta passion. You want to satisfy mais est-ce que passion. Tu peux entretenir ce que Dieu t'a donné? Can you take care of est-ce it? Que tu peux entretenir? Can you take care of it?
Le mari, on ne se marie pas. You don't get married. Pour montrer qu'on est marié. To show that you are married. On se marie. You get married. Parce qu'on a la force d'encaisser. Because you have mariage, c'est kung-fu. C'est le ring. Souvent, on te donne un coup, tu te relèves. Mais écoutez-moi bien. Listen to me. Qui savoure la victoire? Who can savoure? Ce n'est pas l'homme, c'est la femme. It's a woman. La femme savoure la victoire. The woman celebrates. Quand il y a un match de boxe, when there's a team, et que l'homme est blessé, and the man is injured, et malgré qu'il est blessé, despite he's injured, il a gagné. He has win. Sa femme vient l'embrasser. The wife comes. Elle le sait. Quand elle quitte là, when she leave there, le sang de l'homme the blood reste sur la femme. It remains on the woman. Elle n'a pas participé à la guerre. She didn't participate. Elle n'a pas participé au match de boxe. She didn't participate. Mais elle a déjà les marques de la douleur but de son mari. The mark. C'est ça le mariage. This is your wedding. Le mariage, c'est recevoir les maîtrises de son mari. Quand il est malade, ressent sa maladie. Quand il est abandonné, ressent que tu as... Non, non, c'est ça. Alléluia. Ce n'est pas tout qui sort par prophétie. Je peux te parler et puis ça n'arrivera pas. Il attend les conditions réunies pour que tu rentres dans ta destinée. On ne vient pas dans la cour des rois sans qu'on n'a pas la pensée des rois. David, le jour qu'il a occupé le trône, dans le secret, il voyait Jonathan. C'est qui tu vois? La Bible dit Jonathan. A enlevé ses vêtements took away his et puis il a donné à David. And gave it to David. Depuis ce jour-là, day, David a eu le goût he saw the smell of du palais. The taste of the palace. La rencontre the meat que nous faisons, you do. C'est cela qui détermine notre futur. It will determine your future. À qui je parle? Who am I speaking? Qui est réveillé? Qui est réveillé? Who is wake up? Il faut commencer. Parce que moi, chaque trois mois, every three months, je mets sur mon Facebook nettoyage. I say clean. J'efface les gens. I clean some people. De midi jusqu'à minuit. From. Je bloque. Et puis il peut rester là 50 amis. Parce que la Bible dit celui qui a trop d'amis, il les a pour son malheur. If you have many friends, you have trop de camarades, c'est pour ton malheur. It's for your evil. Camarades qui ne servent à rien, il faut les cater vite, vite. Send them away. Il ne peut rien apporter à ta vie. Tu les cartes. Mais nous, on prend tout le monde pour notre avenir funéraille. Quand il est mort, ils vont venir remplir le funérail. Mais est-ce que tu es normal? Ta destinée. Your destiny. Ta destinée. Your destiny. Elle est précieuse. It's more precious. Elle est précieuse. It's more precious. Tout peut sortir dans ta vie. Every can come mais il y a les abus qui ne sortent pas. Voilà pourquoi tu as tout, mais tu n'es pas heureuse. That's why you have everything, but you are not mais happy. Tu n'es pas heureuse. But you are not tu happy. As fini de parler. God has spoken. Maintenant, il reste à toi but de créer les conditions, to create the conditions pour que les choses que tu as dites so commencent à sortir. To come out. Tu veux faire commerce. You have to make et puis, tu ne sais pas ce que tu vas vendre. You don't know what you have to sell. Tu veux te marier, tu ne sais pas quelle voiture dans laquelle tu vas monter. You don't want to get married, you tu don't ne sais rien de toi, mais ton avenir. You mais ce sont des problèmes qui causent aujourd'hui it's no problem. Notre échec, our failure, nos erreurs, our mistakes, nos manquements. Our lack, parce qu'on ne crée pas les conditions. Because we don't create conditions. Écoutez, un homme qui n'a pas les conditions de son miracle, if you don't have a condition il perd son temps. You are losing, il parle la langue, you are speaking mais tongue, il perd son temps. But you are wasting your time. Parce que tu n'as pas fourni. You didn't make dans ton esprit in your spirit, ce que tu veux devenir. What you want to become. Moi, je suis prophète. Me, I'm prophet. Pour devenir prophète des nations. Become prophet for parler nation. Sur les nations et puis ça va arriver. Speak of a nation and it will come to pass. Et toujours, c'est ce qu'il dit à Dieu. Seigneur, tu m'as appelé prophète. You all call me prophet. Pour que je parle sur les nations. So parce que prophète vient du mot inspiré. Prophet donc, le prophète, c'est celui qui est inspiré. Is the one who il doit is parler poussé par l'esprit. Quand tu viens à l'église, you come to church. Et je vous dis une chose, l'église est une école ou un centre motivationnel. C'est ici qu'on vous motive. C'est dehors que tu possèdes. Tu ne peux pas posséder ici parce que nous tous ici, on est motivés. C'est dehors qu'on possède. Prends ton kakwa, prends tes actes, va dans les champs. Prends ton kakwa, prends ton acte, va dans les champs. Sinon, ta vie ne changera pas. Prends ton acte, prends ton kakwa, va dans les champs. Tu as un diplôme, va les déposer. Tu sais faire quelque chose, va demander du travail. Tu veux faire quelque chose, va demander du travail. Tu veux réaliser un projet, monte les dossiers, va demander un prêt. Écoutez-moi bien.
Mais pourquoi le chrétien francophone est-il pauvre? So poor. Toujours je parle à Dieu, je dis, mais Seigneur, pourquoi les francophones sont pauvres? Those French people were so quand on poor. Parle d'offrande, when talk about offrande, il va réfléchir. He will think. Pour mettre même sa main, il fait comme ça. Put his hand like that. Il y a suivi une scène ici, ils ont mis offrande. Offrande. Quelqu'un a mis son offrande comment? Seigneur, ta gloire. Hey! La personne a mis son dernier kata. Mais je vous dis une chose. La Bible dit, celui qui sème avec douleur moissonnera avec joie. Mais tu ne veux pas sémer avec douleur. Ça ne te fait pas mal. Vous pensez que Jésus, la seule sémence du Père, the only seed of the father, son seul fils, the only son, la seule graine qu'il avait, the only seed, il le prend. He took him, et puis il dit, tuez-le. And say, kill him. Vous pensez que ça fait pas mal au Père? You think it's not tout ce que tu veux avoir comme grand résultat what you want to have as a great doit te faire mal. He has to pay you. Et Jésus à la croix, and Jesus on cross, il dit Eli, Eli, lama sabachthani. Le Père qui l'a encouragé, the father who pour lui dit, je serai avec toi. He said, I'll be with you. Il abandonne. He abandoned him on vous savez cross. Pourquoi? Do you know why? Jésus à la croix, Jesus on cross, il avait revêti he was le premier Adam. The first Adam, oh, la Bible dit, the first Adam, les yeux de Dieu the eyes of God, sont trop purs so, so clean, pour voir le péché. To see, to look the sin. Voilà pourquoi Pilate, that's why Pilate il a libéré Jésus. He said, il dit, je ne vois aucune faute en lui. He said, I see no mais en réalité, Jésus n'avait pas de faute en lui. In reality, Jesus were mais il avait des fautes sur lui. But we're having fault on him. Parce qu'il est venu porter nos péchés. But he came to carry quand on porte, on ne porte pas en nous. We don't carry on on porte sur nous. We carry on. Non, Pilate n'a pas vu le péché qu'il avait porté. Il voyait l'intérieur de Jésus. Il voyait qu'en lui, il n'y avait aucune faute. Mais il ne voyait pas sur il voyait pas l'extérieur, le péché qu'il portait. Voilà pourquoi à la croix, Dieu l'a abandonné pour dire non, moi je ne regarde pas le péché. Dis ma destinée. C'est ma destinée. Qui est prêt? Dis ma destinée. Who's ready? My destiny. Dis ma destinée. My destiny. Accomplis-toi. Be fulfilled. Dis accomplis-toi. Be fulfilled. Dis Seigneur. Lord. Crée les conditions. Create conditions. De la réalisation. Of the realization. De ma destinée. Of my destiny. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer fortement le Seigneur Jésus? Clap for the Lord. Il y a une puissance de Dieu qui est disposée. Il y a une puissance de Dieu. Saint-Esprit, Holy Spirit, appelle-les call them, jusqu'à moi. Call them, parce que tu as mis en eux quelque chose. Because you have put il y a une activité de l'Esprit. There is activity il y a une activité de l'Esprit. There is activity il y a of the une activité où, God, there is activity of the Holy Spirit. Une activité de l'Esprit. Of the Holy Spirit. Il y a un vent, il y a un there vent. Is a wind. Il y a un vent. There is a wind. Il y a un souffle de Dieu. There is a wind. Quelque chose de fort the wind of the Holy Spirit est en train de se produire. The wind of the Holy Spirit. L'Esprit de Dieu veut les impacter. The Holy Spirit wants to soyez impact vigilants, commando. The wind of the Holy Spirit. Soyez vigilants, commando. Une femme est guérie du fibrome. Tu reçois ton miracle. Right pendant que je parle, as I'm speaking, un mari de nuit est en train de se manifester. Power. Pardelle à l'instant. Pardelle à l'instant. Pardelle à l'instant. Pardelle à l'instant. Right now. Une vague. Une vague. Aidez-la. Une vague. Il y a la main de Dieu qui est en train de sélectionner des gens. Dieu te sélectionne. Pendant que je parle. Pendant que je parle. Pendant que je parle. Je vois une dame qui sort de la prison. Tu es dans une prison depuis des années. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Je vois la prison se casser. Tu es libéré. 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 Yes. Elle sort de la cage. You are coming from elle out. Sort de la cage. Elle sort de la cage. You are coming out from it. Tu es libéré ce you soir. Are free right now. Tu es libéré ce soir. You are free today. Tu es libéré ce soir. You are free today. Sors. Come out. Sors. Come out. Panel. Chakaraba. Je brise la cage. Aidez-la. Aidez-la. Panel. Tu ne mourras pas. 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 Aidez-la. Aidez-la.
Elle sort d'une cage. Elle sort. Plus fort. Là, t'as pas chéqué l'aider. Rasa Karabaya. Papa. Go. J'entends le départ. Commande to go. Le départ. Go. C'est 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 le départ. Go. Jesus. Dieu vous investit. Il investit des femmes de Dieu, des hommes de Dieu. Dieu les investit. Il renouvelle ton dépôt. Tu ne crois plus en toi à cause des réalités que tu traverses, à cause de ce que tu vis. Tu n'arrives même plus à prier. Toi qui te levais à 3h du matin, tu avais une vie de prière astronomique, une vie de prière harmonisée. Depuis lors, tu as faibli. Mais Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Jesus. Yes. Aide-les. Aide ces gens. Quelle puissance. Je vois le feu. Le feu dans cette salle. Fire. Dieu remplit des arts. Il remplit des vies. Ta vie sera un témoignage. Ah, quelle puissance. Il aurait un mouvement. Dans ce rayon. Il aurait un mouvement. Power. Light in the pretty garden. Oui. Shatabaha, Rebaka, Tabaha, Shete Rebecca. Mouvement. Mouvement. Pourquoi tu te retiens? Pourquoi te retiens-tu? J'ai mis en toi ma sémence. Je vais aller. Jesus. Dieu ira de l'avant. Il y a un char de feu. Un char de feu. Qui les transportera dans vos affaires. Un char de feu dans votre vie de prière. Un char de feu dans votre intimité. Un char de feu. On ne les reconnaîtra plus. Plus. Jesus. Thank you, Lord. Venez là. Come here. Power. Jesus. La main de Dieu est là. The hand of God is here. La main de Dieu est là. The hand of God is Faites here. La lever. Be on your Faites feet. La lever. Be on your feet. Il y en a plusieurs comme ça. Plusieurs. Yeah, like plusieurs. Many like that. Plusieurs. Many like that. La mauvaise semence qui habitait en toi, Dieu you. Est en train de la retirer. God is taking it away. Il la remplace par une bonne semence. With a good seed. Il la remplace He's par une bonne semence. With a good seed. God, Jesus. Thank you, posez-la. Levez simplement les mains. Raise your hand. You serve him. Tu le serviras. You serve him. Tu le serviras. You serve him. Tu le serviras. You serve him. Il y a un puissant appel qui est rattaché à ta There's vie. A call of God et tu ne peux life. Jamais l'outrepasser. Quoi que tu fasses, quoi que tu désires, quoi que tu dises, sans le consentement de Dieu, cela te causera des problèmes. Parce que tu as un appel. Je l'ai senti fortement. Intensément dans mon cœur. Dieu me dit, tu as un ministère prophétique. Tu assises dans le secret. Mais il a mis sa main sur toi. Tu parleras de sa part. Et tu feras de grandes choses. Dieu ira de l'avant. Il ira de l'avant. Elle a un dépôt. Jesus, aide-la. Je vais prier pour une dame. I want to pray for a woman. Tu traînes ce mal de dos depuis longtemps. Tu as mal là, au dos. Et quand ce mal arrive, tu ne peux rien faire. C'est un mal qui t'a été lancé. Je veux que tu arrives rapidement prier pour toi. Donne-moi l'huile. Il y a une onction qui est disposée. Elle a ce mal de dos. Posez-vous derrière elle. Dieu est en train de guérir ce matin. Tu ne ressentiras plus ce mal. Shalom. Habita
Il y a une guérison divine. Yes. Il y a une guérison divine. There is a divine healing. Dieu est en train de guérir. God is healing you. Dieu est en train de guérir. God is healing you. Mal, tu es soumis à l'impuissance. Tu es soumis à l'impuissance. Je libère la puissance de l'onction. Je libère la puissance de l'onction. J'ordonne à ce mal de quitter maintenant. Elles ne ressentiront plus ce mal. J'ordonne la guérison divine. La guérison divine. Guérison divine. Guérison divine. Guérison divine. Elles sont guéries par le nom de Jésus. La guérison est une expression réelle. Une expression réelle. Une expression réelle. Lève les mains avec moi. Dis Seigneur. Say Lord. Dis Seigneur. Say Lord. Que ta grâce, may your grace, à partir de ce soir, from today, me localise. Localize me. Et tout ce qui n'avait jamais poussé dans what ma vie, we're not going, tout ce qui n'avait jamais germé dans ma vie, what we're not going, commence à sortir de terre. Come out from, et que ma vie soit transformée. May love be king, au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus, amen. Acclame puissamment, amen, le Seigneur Jésus, clap, clap, de Nazareth.